Quand on t'a désenvoûté là, ces recettes-là, c'est le bombo qui est bon pour le désenvoûtement, qui est bon pour l'homme, qui nettoie bien l'homme, qui enlève tout ce qui est dans le ventre de l'homme. Tout ce qu'on t'a donné, tu as mangé avec ta bouche là, qui va te traiter par grâce à Dieu. Très bien avec ces recettes-là, mes chéris. C'est ça que je vais vous montrer comme ça. Ces recettes-là, il faut te laver pour te purifier avec ces recettes-là, mes chéris. C'est très bien avec recettes donc, que vous voyez comme ça, la famille. Je ne parle pas d'autre chose. Je parle le gombo pour la recette de désenvoûtement. La recette d'avoir bien aimé par des personnes. La recette de faire vraiment croire à toi-même. La recette de faire que tu sois vraiment. Tu souffres beaucoup, mes chéris. Tu fous beaucoup la famille, mais tu n'arrives pas vraiment, vraiment à se faire vraiment. Voilà la recette là, mes chers. On va partir à l'application de la recette là. Voilà, c'est comment c'est. On va faire l'application. La famille, vous avez besoin de ça. Vous le voyez, c'est fraîche, non? Vous allez chercher comme ça. Je vais ouvrir, vous allez voir. C'est très important, la famille, comme vous le voyez. La santé de l'homme, ça ne doit pas se jouer. Hein? On doit faire toujours. Ne dis pas, si tu doutes à toi, tu as quelque chose que ça ne va pas. Tu mets malade le ventre, là, comme c'est quelque chose qui est dedans. Lève-toi, il faut aller faire le gombo, là. Cherche le gombo fraîche comme ça, là. Le gombo fraîche, il faut la chercher. Tu vas laver proprement. Tu laves proprement. Quand tu finis à laver proprement comme ça, là, coupé en petits morceaux. Tu vas mettre dans le verre, tu agites de l'eau, mes frères, mes soeurs. Laissez toute la journée, l'eau va sortir bien là. Il faut boire ça, mes chéris. C'est très important. Même si en préparant là, parce qu'en Afrique, là, vous, c'est un mange du riz, non? Le riz, là, il faut mettre ça du riz. Il faut préparer ça. Tu vas mettre avec du riz, tu vas mélanger avec ça. Tu vas manger. Je dis, c'est important. Ça, là, c'est important. Ça ne laisse rien avec quelqu'un. Si on t'a donné quelque chose là, ça enlève tout avec ça. C'est très important, mes chéris. C'est très important, la famille. Merci bien, Paulina. C'est bien, la famille. Vous le voyez là, c'est la recette naturelle. Voilà, pourquoi vous le voyez ici? Parce que je n'ai pas coupé. L'autre là, c'est coupé. Donc, je préfère de vous montrer le coupé là. On va utiliser ça là. OK, la famille? Donc, ça, mes chéris, comment vous allez faire? Voilà le seau de bain que je vais vous montrer. On a besoin de seau de bain naturellement. Là. Voilà, comme je vous ai dit toujours, vous devrez avoir votre seau de bain. N'importe marché que tu vas partir, tu vas trouver le gombo. Toi-même, tu vas acheter. Fraîche là, pour nous là, voilà, c'est comme ça, non? Il y a le fraîche de plus encore qui n'est pas dans le frigo là. Il faut aller acheter le fraîche là, tu vas laver proprement. C'est comme ça, proprement comme ça là. Tu coupes en petits morceaux là, tu mets dans l'eau. Tu mets l'eau, tu bois, tu dis, tu veux, tu vois ça, mes chéris. Fais ça, on t'a désenvoûté là. Fais, tu vas venir voir. Fait, tu vas venir voir, mes chéris, c'est important. C'est très, très bien, la famille. Donc, voilà, on va partir, mes chéris. Voilà les seaux que vous le voyez avec moi, là. Vous devrez avoir votre seau. Vous devrez avoir votre seau spécialement pour vous, de vos bains, là. Voilà. Donc, vous le voyez pour moi, c'est déjà coupé. Ça, c'est coupé. Donc, vous allez mettre, je vais mettre ça comme c'est coupé, là, vous allez voir. Voilà. Vous allez mettre le gombo, voilà, vous le voyez, c'est le gombo qui est dedans. Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire ça? C'est très simple pour la santé de l'homme, c'est très bien pour nous aider toujours. Voilà. Je vais ajouter de l'eau, comme vous me voyez. J'ajoute de l'eau comme ça, la famille. Vous le voyez, non? J'ai ajouté de l'eau, comme vous le voyez, la famille. J'ai déjà ajouté de l'eau. Vous allez laisser comme ça, dans l'eau comme ça. Vous allez parler, vos vies, tout ce que vous voulez. C'est Dieu qui nous voit. Elle n'est pas fétichée, elle n'est pas marabout. Pas grâce à Dieu, tu vas avoir ta solution. Dieu va nous aider. Voilà. Qu'est-ce qu'on va faire? On va laisser toute la journée comme ça dans l'eau, quand tu mets comme ça. Mais lendemain, tu vas commencer à faire tes bains avec ça. Tu vas te laver. En faisant des bains, qu'est-ce que tu vas faire? Il faut boire, la famille. Il faut boire l'eau. Il faut prendre quelque chose là, tu vas prendre l'eau. Il faut boire, c'est important. Si ce qui est dans le ventre là, il faut boire ça, la famille. Boire ça, la famille. Voilà. Voilà, il faut boire. Il faut boire tout ce qui est dans le ventre là. Ça va éliminer avec le ventre. Il faut te laver ça. 7 jours, il faut te laver avec le gombo là. 7 jours, parle tes vies, tu vas te laver le gombo. 7 jours, mes chéris. 7 jours, la famille, il faut te laver avec ça. Tu vas avoir toujours bien avec toi. C'est la recette qui va faire vraiment changer ta vie. C'est la recette qui est bonne pour le désenvoûtement là. Tout ce que toi, tu vas toucher, ça ne va pas avec toi. Par grâce à Dieu, cette recette là va vous aider, mes chéris. Je vous dis bien, 7 jours sans savon, tu vas te laver sans savon avec ça. Tu te laves sans savon avec ça.
Sans savon, il faut te laver avec ça. Sans savon, mes chéris. Vous allez venir me pointer ici par grâce à Dieu et la famille. 7 jours, tu t'arrêtes dans la toilette jusqu'à ça va rentrer sur le corps. Ok, mes chéris? Merci.